la maison de collection qui nous édifie et qui est le tout premier tableau de cette soirée. Merci de l'accueillir parce qu'elle m'aime, elle est descendue. Apprenante de Nikinyaha Afrika. Et la ligne de cette chaîne qui brille d'un coup au bras. Et bien sûr, au tibia. Une collection spéciale Godan, créée pour votre amour à la mode. Pour une envolée de taille, avec des caractéristiques qui à présent va se découdre au niveau de la parade. Hello, 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 you're so beautiful. Let's go. Et juste après la sortie des mannequins, let's go, let's go, let's go, do the impossible. Au décor de chaque mannequin. On peut apprécier chaque pas, chaque cadence. On peut aussi aimer. Nous vous prions dès que vous avez une collection de bien désirer vous rapprocher à la fin du promoteur ou du styliste. Le temps de prendre des notions et des connaissances nécessaires, à mieux s'habiller peut-être, à s'habiller davantage encore moins, ou à intégrer le domaine du stylisme. C'est un domaine qui, depuis des années, a cessé de regorger de monde, surtout au Bénin. En Afrique, nous avons ce génial problème, si ce n'est pas pour quelques jours en arrière, de l'innovation purement béninoise. Recevoir la sélection d'Orcas, c'est ce rideau. Oui, il y en a.
la régie. Sélection sur mesure avec le tout premier volet purement femelle, à présent le tout premier mannequin mâle pour apprécier la démarche et la profondeur. C'est une sélection à l'ancienne, renouvelée et accordée avec la nouvelle fonction de la montre. Ce que nous apprécions par ici, c'est la peu pouvant d'ailleurs appeler artiste. On arrive à reconnaître le bon talent, le bon travail, le travail à faire. Et à présent, la parade strictement de sélection. Vous pouvez déjà commencer par apprécier cette parade avec une sortie purement glamour. Je vous laisse apprécier. Merci à présent de recevoir la pure sélection Norcas. Le styliste à présent qui va s'annoncer à nous. Mais comme d'habitude, merci de le recevoir avec un peu de soutien banque. Et si on applaudissait pour la sélection Norcas, le temps que le styliste, je vous l'avais dit, c'est un ancien de la vieille école. C'est un pur styliste, un designer fait sur mesure. Et il va sortir avec cette ambiance de pente. Merci donc de recommencer pour la fin. On apprécie la valeur de l'homme lorsqu'il se tient debout. Et encore moins lorsqu'il décide d'agir. Il a décidé de soutenir ses enfants. Il a décidé de leur apporter du soutien. De ne pas rester en marge. Et lui-même, avec une combinaison totalement satisfaisante, sélection Norcas. Ce qui vient tout de suite, c'est la plus belle surprise. Une surprise qui ce soir va apporter son timbre. Une surprise qui va nous permettre à tous de pouvoir mettre une icône sur cette soirée. On va se décider de partager ce qui, derrière ce rideau, va sortir avec une personne belle, avec une personne osée, avec une personne rayonnante, une personne affûtée et une personne prestée sur mesure. Je vais vous demander, mesdames et messieurs, de recevoir la présence, la sortie et l'ouverture de scène de ce qui vient apprécier. Lorsqu'elle va sortir, je voulais identifier la chose, mais je préfère identifier la personne. Lorsqu'elle va sortir, elle va porter cette dernière chose que j'ai appréciée en heel. Merci à la régie de nous accompagner le temps qu'elle descende. Et il s'agit de ça. Il s'agit de l'image de cette soirée. Il s'agit de notre édition au King House Institute. On a décidé, ils ont décidé de partager avec vous l'accord se dessinant devant ce tableau. Elle va nous permettre avec
l'accord des chasseurs d'images, de tourner au moins le tableau pour que tout le monde l'apprécie. Merci de tourner légèrement. Une rotation sur vous-même, s'il vous plaît. Légèrement, merci. Tout le monde va pouvoir apprécier. Et voilà le tableau qui ce soir sera mis en vente. J'ai jugé, on a jugé de pouvoir donner de la valeur à qui va partir avec ce tableau. Mieux de permettre à l'événement d'avoir encore plus de sanctions prochaines. On aurait désiré revoir de belles prestations très prochainement. Pourquoi pas d'ici quelques mois avec un renouvellement beaucoup plus bien tendu. Mais avant, on va se permettre de donner un prix à ce tableau. Le tableau dont il s'agit est fait sur mesure, avec de la peinture pure, une coloration qui témoigne des couleurs vives, une couleur qui parle d'empreintes modélistiques, qui parle d'empreintes stylistiques et qui parle surtout de reconnaissance de mannequins. Lorsque le travail sera acheté, ce sera au merci de tous ces mannequins qui ont travaillé jour et nuit. Nous avons eu, m'a-t-il dit le promoteur, des difficultés à certains niveaux, mais je voudrais que ce public puisse prendre ce tableau. Ça me fera le plus gros bien. Nous allons oser. Nous allons oser faire partir ce tableau avec une personne qui sera désireuse. Nous allons oser permettre à tous de vivre ce moment, même après ici, avec l'allure d'un styliste, avec la présentation d'un mannequin, avec la couronne de triomphe. Notre bonté, notre désir, notre accord, c'est vous. Est-ce qu'on a un premier prix pour ce gâteau? Mieux, ce tableau, parce que c'est un gâteau. Nous sommes en train de vouloir le vendre. Le vendre serait le couper ensemble. Nous allons pouvoir faire partir ce gâteau. Et ce serait le moment de la dégustation. Nous allons donc apprêter à ce tableau les événements qui sont couverts à un gâteau. Nous n'allons pas refuser le premier prix. Vous allez juste nous proposer un premier prix. Et après, on va peut-être adjuger pour faire partir le tableau par quelqu'un. Qui va être la première personne à porter un prix à ce tableau, s'il vous plaît? Merci. Je vous passe le crachoir. J'ai besoin de votre voix. Merci, s'il vous plaît, de m'aider à remettre le crachoir au monsieur qui est derrière. Bonsoir, mon cher ami. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir surplanté le décor. Je suis très content. Je voudrais que vous nous dites le premier prix que vous apportez à ce tableau. Je propose 20 000 comme premier prix. Vous proposez 20 000 comme premier prix. Le premier prix. Merci. Passez-moi le crachoir. Nous avons déjà 20 000 pour ce tableau. Qui surplante légèrement le décor? On est en train de vouloir faire partie le tableau avec le méritant. Mais c'est tous qui sommes méritants ce soir. 20 000 une première fois. Qui encore? J'ai envie de vous écouter, s'il vous plaît. Qui? On a une possibilité de vous prendre à l'échelle que vous voulez. Soit vous payez dit cash ou vous payez avec votre acompte. On est prêt, il n'y a pas de souci pour ça. 20 000 une première fois. On accepte sur les 20 000 ou on élève légèrement. On est nombreux. Qui? Qui encore? Le désir est d'hésiter, mais il ne faut pas hésiter pour ce tableau. J'ai la présence des stylistes. Je vois de grandes têtes du monde stylistique. Je vois des entrepreneurs. Je vois des jeunes vaillants, des jeunes d'esprit clair, des jeunes d'esprit fort. Qui donne un autre prix à ce tableau, s'il vous plaît? J'ai une main quelque part. Ce n'est pas un simple tableau. Vous allez remarquer le pourquoi juste après. Un autre prix. Nous avons une surprise juste derrière. Qui peut oser? On a tous peur. Autant peur. Merci
de repartir avec le tableau et les sous, de faire le compte et de nous revenir avec le prix réel. Merci madame, vous avez tellement transpiré. Sortie de la collection Nick Nyaha, vous l'apprécierez. Une collection tout droit réservée, une collection sortie de la maison de production Nick Nyaha, avec un désir de vous faire voir de la valeur, de vous faire apprécier les démarches de ces mannequins qui se donnent toujours pour pouvoir vous servir le bon produit. Et le nom de cette collection, c'est Tendemain. On peut comprendre qu'il y a beaucoup de significations entourant et redorant ce nom. Mais pour le moment, cette collection est servie sous forme de bombesse. Cette collection est servie sous multiples formes. Si vous avez besoin d'arranger autrement votre veste, si vous avez besoin de revoir votre tenue, si vous avez besoin de redimensionner votre bombesse, elle est là. Elle s'assure avec sa maison de vous rendre la clé parfaite de votre bonheur. Tell me what you think about the weather. We can do the small talk till we get bored like a feather. We're floating, we're floating, we're floating. Nick Nyaha. We're floating, we're floating, we're floating, oh. We're floating, we're floating, we're floating. On peut souligner les traits se rapportant à chaque sortie. C'est la qualité de la couture. Les traits, surtout les plus réalistes, sont le travail du haut fait par le tissu. C'est un travail purement béninois. Et lorsqu'on va dans la sous-région, on a cette qualité de production qui, dès aujourd'hui, ne témoignera pas de faire son bon nom de chemin. Avec Nick Nyaha Afeka, c'est le plaisir de vous habiller, autrement vous produire, vous assister, vous accompagner. Le dit travail accompli par le mannequin, chacun à son niveau, pour servir un bon tableau, pour accorder. Résistez face à tout, le temps de vous servir, un très beau passage. Tell me what you think about this place. Right here where dreams are made of. La maison qui édifie. La maison qui, pour l'heure, est en train de vous assister. Le programme est si spécial, si parfait, que les mannequins ont su afficher le réalisme, le talent d'une valeur et surtout le savoir-faire de la promotrice. We're floating, 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 we're floating
Ikiara Afrika. Le tableau de fin qui est en train de s'annoncer. Les mannequins qui se retirent. Pour laisser place à présent au styliste qui va venir avant bien que nous ne laissions partir les mannequins hommes que nous avons parmi nous. Merci s'il vous plaît de recevoir celle que nous avons appelée, qui nous a présenté ce beau programme, Nick Nyaha Feka. Merci Régie. Madame Nyaha, venez s'il vous plaît. On va laisser partir les mannequins qui sont en train de se rendre dans les coulisses. Le temps de rester beaucoup plus avec vous. Et on se permet de garder le milieu en suspense pour laisser passage à ces mannequins qui présentent leur tableau de fin. Merci donc de ce programme, on a vraiment aimé. La belle preuve, les acclamations, tout comme le travail des autres stylistes, témoignent bien sûr de l'amour que vous portez pour la mode au Bénin. Nous avons décidé de vous demander, pour cette collection Teint des Mains que nous avons appréciée, qui a simplifié autrement et a arrangé les habits que nous avons l'habitude de porter, qu'on appelle souvent les bombes, ou encore moins, les pullovers, ce soir, sous d'autres et différentes couleurs, de quoi est-ce qu'il s'agit, s'il vous plaît? Je veux savoir et merci. On veut savoir. Avant d'expliquer le nom Teint des Mains, je m'avais d'abord encouragé tous les jeunes créateurs qui sont ici. Si vous êtes dans la mode, si vous êtes des débutantes, d'abord vous devez choquer le monde par vos créations avant d'habiller le monde. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Donc vous devez d'abord être créatif, innovatrice, innovateur du moins, voilà, avant de commencer, avant de te positionner. Donc, Nikia Afrika, je me suis positionnée il y a des années parce que j'ai déjà fait dans le domaine de la mode. Donc, la marque Teint des Mains, c'est d'ailleurs le nom de ma grand-mère. Et pourquoi cette collection Teint des Mains? Aujourd'hui, si dans une famille, s'il y a quelqu'un qui a eu l'opportunité de voyager, beaucoup de ceux qui sont au pays compte sur ce dernier pour réussir la vie. Non. Normalement, si la personne a eu des opportunités de voyager, ça doit être aussi une opportunité pour les restes de la, pour les restes de la membres de la famille. On va se blesser ici en français. C'est pas grave. Apprenons seulement, nous on a tout compris. Donc, Nick Yahafeka et son équipe, nous avons décidé de se positionner dans des domaines comme des bombers, des jupes, des sacs, tout ce qu'on peut vendre. Donc, tu es au pays, mais tu peux proposer des business à quelqu'un qui est à l'extérieur. Et ce serait de partenariat gagnant-gagnant. Donc, si tu sais que la personne est à une place pour toi, c'est-à-dire, tendez-moi le meilleur de nous, Adona accompagne ton bien reçu de l'extérieur. Et il nous a mandé Eda. Merci, madame Nick Nyaha. Qu'est-ce qu'on peut pour elle, s'il vous plaît? Ce soir, tous les stylistes qui sont passés sont en train de vendre ce qu'elle est tout à l'heure en train d'expliquer. Parce que je vais, moi, de la sorte que je l'ai compris, vendre Teint des Mains. Teint des Mains pour dire, amenons-nous quelque part. Allons vers, décidons de changer, décidons d'arranger tout simplement. Mais si ça peut se faire avec une personne, c'est que c'est possible avec plusieurs personnes. Merci de recevoir, parce qu'on ne va pas tuer sur le temps,
La dernière, ou mieux, l'avant-dernière collection. Même si c'est la dernière, ce n'est pas grave. On va devoir précipiter les choses pour le coup de marteau parce qu'ils en ont besoin. Mais pour le moment, qui va sortir, c'est l'ARFIA. Merci donc de recevoir l'ARFIA. C'est leur dénomination. Mais votre applaudissement pour leur donner plus d'ambiance. Merci. Le tout premier mannequin qui développe l'ARFIA. La démarche qui vend expressément. La confiance de soi. L'assurance d'une avancée prospère. Sans risque de glissade, ça s'appelle un mannequin. On a désiré marcher, on a décidé avancer. Savoir marcher vient des prunelles. Savoir avancer est décisif. On a voulu vendre ce soir l'amour pour la mode. On a voulu pour chacun, parce que j'aime tout ce qui est présenté, recevoir de l'emblème, un signe de créativité, de la valeur. Et vous pouvez apprécier tout comme moi ce style qui est purement mieux se vend à la Sénégalaise malgré que nous soyons au Bénin. Et les remerciements ne finiront pas dès que vous êtes avec nous. Marche sûre, une assurance dans la démarche, une proposition de mes modèles, une structuration des sorties, une qualité au niveau de chaque mannequin. On apprécie à chaque fois. Nous voyons cette valeur s'ajouter à nos éléments que nous avons déjà. La composition pour parler du final. Finition, initiative, naturalité, art. Ce n'est que ça la finale. Nous vous proposons des tenues qui sortent de l'ordinaire. Des tenues qui surpassent la vulgarité, mais qui mettent en avant votre amour, votre passion pour la mode. L'applicabilité de ces mannequins pour témoigner de leur puissance à marcher. Chacun dispose d'une valeur. Je sais marcher, je sais présenter une tenue, je sais apprécier en public. Que je suis mannequin. Tell me what you think about the weather. We can do the small talk till we get bored like a feather. We're floating. Et à présent. Elle va sortir, elle va se présenter à nous, celle qui, avec autant de valeur, s'est décidée de nous montrer ce vaillant tableau. Merci donc de recevoir l'ARFIA. Vos applaudissements s'il vous plaît, avec le décor que nous avons vu, on pourra dire oui, elle en a fait, oui, elle en a donné, oui, elle dispose de talent. Et c'est elle qui nous propose cette belle collection ce soir. L'ARFIA. Avec une totale finesse. Une caricature des mannequins qui savent profiter de l'emblème de leur domaine. Chacun disposant de son aptitude, de sa grandeur.
Merci à Lafia. Merci à la régie. Je vais en ce moment, tout comme d'or, remercier chacun d'entre vous. Vous avez aimé la mode et ici vous êtes disposé comme ce que nous avons l'habitude de suivre sur Fashion TV. Vous êtes disposé comme à l'extérieur en Europe. Vous êtes disposé un peu comme dans les grands festivals. Mais ce soir, nous avons cet amour à partager autant que vous l'avez fait tout à l'heure. Je vais demander à qui va arriver de s'apprêter à pouvoir vous dire son mot de merci. Son mot qui témoigne de tout ce qu'il a vendu pour l'agréabilité de cette soirée. Son mot qui témoigne du travail acharné rendu par son équipe. Ce mot qui pourra vous dire et reconnaître à chacun en vos rangs et qualités votre présence. Je tiens à dire un sincère merci à tous, en l'occurrence à M. Stephens, à M. Vianney Lokosu, à Leslie Fashion, à T. Fashion. Merci à vous d'être arrivés, Leslie, que je remarque déjà. Merci également à tous, vous qui avez vendu de votre temps, sacrifié de votre énergie pour être dans ces lieux. Nous vous accueillons dans le Negro Palace, mais ce n'est pas encore fini. Permettez-moi donc de vouloir décorer ce rideau blanc avec la sortie d'un homme, quelqu'un, une personne que je vais trouver fort, une personne qui représente la magie de l'art, de la mode, de la ténacité, une personne qui est digne de confiance et en qui nous avons cru pour nous rendre à la lumière. Mesdames et Messieurs, King House Institute pour vous rendre la lumière. Merci, merci à tous. Il est arrivé avec une vague d'émotions. Merci de ne pas nous partager les émotions parce que nous, on est arrivé pour nous amuser un peu et après danser au possible et rentrer. Il monte l'escadron, il monte encore mieux. Je croyais que c'était la guerre. Attention, sachez lancer les flambeaux parce que nous, ici, on a un cœur fragile. Et pour dire qu'il est arrivé en montant son piédestal, il est dirigé vers vous. Il va nous dire nécessairement peut-être un mot, ou mieux, nous passer son discours. Merci s'il vous plaît de nourrir encore un petit banc d'ovation pour l'écouter. Bonsoir à tous. Merci pour votre présence, pour votre soutien, pour la force. Pour le geste, parce que beaucoup ont été contraints de laisser leurs occupations pour m'assister ce soir. C'est un réel plaisir pour moi de vous voir autant autour d'une chose, d'une cause noble, je dirais, qui fut un coup de cœur. J'ai toujours été passionné par la mode. J'ai commencé en tant que mannequin. J'ai poursuivi malgré ma petite taille. Parce qu'à un moment donné, j'ai été vraiment frustré par le domaine parce que je n'avais pas la taille. On m'avait toujours dit que je ne pourrais pas faire carrière dans le mannequinat. Et à un moment donné, je me suis dit, oui, je n'ai pas la taille, mais franchement, et obligatoirement, je dois avoir quelque chose à vendre.
Et c'est là que j'ai pris mon courage à bras le corps. Et j'ai poursuivi l'aventure, j'ai continué. Et je dirais fièrement avec la main sur le cœur, je suis d'abord fier de moi, fier de ce que je suis devenu, fier de ce que j'ai fait ce soir et fier de qui je suis dans le monde de la mode aujourd'hui. Et cela ne serait possible sans votre présence ici. Merci à vous. Je voudrais particulièrement remercier la présence de certaines personnes. Monsieur Stephen Swigbe, merci à vous, mon mentor. Enfant de pauvre, c'est riche. Enfant de pauvre, c'est riche. Monsieur Vianney Lokoso, merci pour votre présence. Et les nénés. Ate Fashion, merci. Ediwan Bissirou, merci. Je salue la présence de Monsieur Patient. Je salue la présence de ma maman. Maman, merci pour la présence. Je salue la présence de Moutaba. De la Rue au Palais. Est-ce qu'il est là? De la Rue au Palais. Tekbe, elle a tienne ton envie. Leslie Fashion. Akbe Kaka. Sur ce, pour ne pas trop parler, je vous dis juste merci. Merci d'avoir accompagné la chose. Merci pour votre présence. Merci pour votre soutien. Et à la prochaine pour de plus grandes choses. Je vous remercie. Bonsoir tout le monde. Ce soir ou ce jour est un peu spécial pour moi. Je dirais Jude Kassa, c'est mon fils. Il a eu ce courage de se rapprocher de moi. Il a suivi sa formation de chorégraphie à mes côtés. Et c'est vrai qu'on ne finit jamais d'apprendre, il est toujours en formation. Mais ce soir, il vient de me prouver qu'il a vraiment le truc en lui, qu'il est vraiment dévoué. Moi, je m'en vais lui poser une question. Pourquoi choisir de venir souffrir? Je dirais venir souffrir parce que ça fait déjà plus de 15 ans que je suis en activité. Ceux qui me connaissent. Je suis le promoteur de l'événement panafricain, la nuit du styliste africain. Un événement qui regroupe des stylistes d'ici et même de l'Europe. Aujourd'hui, je suis à la tête du réseau des agences et instituts du mannequin du Bénin en tant que président. Ce n'est pas facile d'être promoteur culturel au Bénin. Ce n'est pas facile d'être promoteur d'événements de mode. Et s'il se lance dans ce secteur d'activité, il le sait comme moi, qui n'est pas venu automatiquement se faire de l'argent. Tout ce que vous voyez, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de sacrifices. Organiser un événement de mode, ce n'est pas donné à n'importe qui. Moi, je vais juste vous demander de l'encourager, de le soutenir et surtout de lui laisser vos portes ouvertes pour les éditions à venir. Quant à moi, avec mon équipe, il a mon soutien pour les événements, pour les éditions à venir. Et je pense que déjà à partir de la deuxième édition, vous verrez réellement ce que c'est que l'événement à la lumière. Je vous remercie. Merci. Merci, merci à tous. Merci à Monsieur Stephens, merci à Monsieur Lokoso, merci à Ate Fashion, merci à Leslie. Vous savez, Coco Chanel a dit, la mode se démode, mais le style jamais. Lorsque vous désirez vous habiller, mettez-vous toujours en bonne position, flambez-vous toujours pour qu'on puisse vous remarquer. Et ce soir, moi je voudrais vous dire qu'à la lumière, nous avons découvert de très belles choses, de très belles personnes, de très beaux talents, et que nous avons découvert aussi, pour coiffer, ces personnes qui sont des âmes fortes, qui sont des âmes sûres et des âmes de forte assistance.
Je voudrais lancer cet appel à vous tous qui avez une possibilité d'aider une fois un styliste, un mannequin ou un élément de la mode. Ce n'est pas facile, ce n'est pas aisé. Mais lorsque vous avez la possibilité, faites-le. Pensez à ces âmes qui ont une passion. Ce n'est pas ceux qui l'ont appris, mais d'ailleurs la passion. Il est parti de sa passion. Il a essayé d'étrangler le doute. Malgré sa petite taille, il a affronté le destin. Et quelqu'un lui aurait dit, attention, tu ne pourras pas réussir. C'est ceux que nous allons appeler les pessimistes. Mais il a affronté le destin. Il est allé jusqu'au large de sa passion. Aujourd'hui, vous voyez cette lumière dans les décombres. Et c'est ça qu'on a appelé la lumière. King House Productions, je vais parler de l'Institut, qui aujourd'hui a décidé de nous partager, vous et moi, de bons moments. On a décidé également de rester ensemble jusqu'à une heure donnée, le temps de libérer la palace et de permettre à Negro maintenant d'assurer son aptitude et de disposer de son coin. Merci à tous ces tontons, merci à toutes ces tatas, merci à vous qui avez désiré faire mieux pour la valeur humaine. Merci de l'avoir sorti de vos poches. Je l'ai innové, je l'ai décidé, mais vous l'avez accompagné. Je ne suis pas Dieu pour vous forcer, mais vous l'avez fait de cœur vaillant. J'ai ce merci qui vient de Dieu. Thank you, gracias, arigatou gozaimas, pour dire qu'on aura le temps de se revoir. Je suis à l'état civil Béringer Sanda. Aujourd'hui, ça aurait été un jour nouveau pour que nous nous relancions autrement dans la mode, parce que la vie a besoin de vous, de chacun, pour avancer. Merci à la régie et on se dit à très vite. I'm gonna drop it down for you.